Alex Nassar. Move. Les gossip hop de Move très actu, les infos hip-hop du jour, un servi avec des baklavas, parce qu'il y a beaucoup de miel dedans. Oui. Aujourd'hui, Guérin, des news de la reine des abeilles, Beyoncé. Et alors, Beyoncé, qu'est-ce que c'est? C'est une icône de la beauté. Elle est toujours très bien maquillée, toujours très bien coiffée. Bien sûr. Oui, c'est vrai, merci madame. Mais Beyoncé, c'est surtout et aussi une mère, une épouse, une femme libre, chef d'entreprise, une influenceuse, maîtresse de sa destinée, comme on dit dans une biographie Twitter de consultant marketing freelance mes couilles. Mais là n'est pas la question, puisque Beyoncé, c'est surtout une chanteuse et depuis hier, elle est accusée d'être une tricheuse. Ah ! Et tout ça à cause de Fergie des Black Eyed Peas. Il va falloir que tu nous expliques un petit peu parce que c'est pas clair du tout. Hier, à la télé américaine, Wendy Williams, animatrice d'un talk show qui s'appelle le Wendy Williams Show. Comme ça, c'est plus facile. Elle débriefait la performance de Fergie pendant le All-Star Game. Quand elle a chanté, partons, charcuter l'hymne américain. Oh non. Mais non, mais ça fait mal, là, c'est pas possible. Pardon. Mais c'est pas uniquement de sa faute. Wendy Williams l'affirme, il fallait lui mettre de l'autotune. Et elle va plus loin. Elle affirme que tout le monde utilise l'autotune en live, même Beyoncé. Crucifié. Et pourtant, si, elle l'a dit. Et Wendy Williams a provoqué une réaction tout à fait normale de la Beehive, la communauté des fans de Beyoncé. Qui lui ont dit sur internet en résumé: J'ai tué. Non mais attends, mais c'est vrai que tout le monde, mais alors tout le monde, utilise l'autotune du coup. Oui, détendez-vous. Tout ça est vrai. Non pas que Beyoncé soit nulle, pas du tout, mais c'est un fait, je vous l'annonce, au risque de détruire un mythe, tout. Les chanteurs et chanteuses en live utilisent l'autotune par sécu. À part peut-être Céline Dion, ouais. Mariah Carey avant, oui. Et Adèle, mais parfois elle devrait. Et il y a plein de raisons, l'acoustique de la salle, on s'entend pas, un mal de gorge, la fatigue, et c'est pas grave. D'ailleurs, tous les fans ont pété un plomb, mais la réaction de Beyoncé, ça a été... On bat les couilles. Alors, pas exactement, parce qu'elle ne possède pas de bourse, donc elle ne peut pas le faire, mais physiologiquement, elle ne peut pas le faire. Elle a juste invité Wendy Williams en studio pour lui montrer qu'elle sait chanter, car Beyoncé... Elle est très distinguée. Eh oui, elle est très distinguée. Merci beaucoup, Guérin. Toute l'actu hip-hop en temps réel, c'est évidemment sur move.fr. Vous écoutez Move. Move.